Coucou, c'est l'heure de la carte sketch. Voilà, il y a quoi dessus? Hop. Ah, attendez, je vais attraper mes papiers et mes papiers de décor. Voilà, je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai là. On va parler automne, hein. On se refait pas. On va parler automne. Bref. Et là, je vais utiliser les cartes de chez Action. C'est parfait pour faire les créations d'automne. Donc, c'est parti. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre laquelle? La 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 la. Bon, la première. Allez, on va pas chercher midi à 14h. Je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, elle fait combien cette carte? Peut-être ça pourrait vous intéresser de savoir quelle est la dimension. Donc ça fait 11 sur 16 et demi. Donc voilà. Alors, d'après ce qu'on peut voir, il y a 1, 2, 3, 4 rectangles. Voilà. Oh, pourquoi ça colle? Bah, il y a un truc. Ah, il y a un tout petit bout de colle là. Voilà, bon bref, n'importe quoi là, Coco. Bon, attendez. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir pas mal de pauses dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis enrhumée. Donc, à chaque fois, il faut que j'aille me boucher. Voilà. Alors, est-ce que ça et ça, ça va? Ça va, mais ça ressort pas trop. Ah, le marron, il est mieux. Ouais, je vais prendre le marron. Alors, il faut que je découpe. Oui, alors, oui, c'est des bases de cartes, mais en même temps, c'est du papier. Donc, je vais utiliser. Je ne vais pas faire ma radine, hein, ça c'est bien beau de garder, mais il faut utiliser. Je pourrais très bien tout garder, toutes ces bases de cartes, comment? En base de cartes, hein, tout simplement, les garder, dans 10 ans je les ai encore. Et bah non, là je vais plutôt m'en servir, comme il y a un beau panel de couleurs, bah, je vais plutôt m'en servir si j'ai besoin, bah, là, de. Par exemple, là je vais avoir besoin pour faire des petits. Ah! Des petites choses pour ma carte, et ben voilà, je vais prendre l'un dedans. Voilà, ben c'était pas facile, hein. En ce moment, j'ai du mal, j'ai l'impression que je bégaye ou je sais pas, j'ai du mal. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sketch, je les fais normalement. Il y a Caro et Mamie qui les fait aussi. Mais bon, on se met pas de pression, hein. Si on la fait, on la fait. Si on la fait pas, on la fait pas. Il y en aura bien une des trois qui la fera le jour J. Voilà. Si on fait toutes les trois, c'est parfait. Moi, pendant un moment, là, j'avais lâché l'affaire. Mais je vais m'y remettre, je vais m'y remettre, je vais m'y remettre. On y croit, on y croit, on y croit. Bon, bah, à peu près jusque-là, on va dire. Quand je regarde le modèle. Quand je regarde le modèle. Oui, ma règle, elle est là. Faut laisser un petit bord sur le côté. Il faut venir à peu près jusque là. Ça fait combien à peu près jusque là? On va dire 7 à peu près jusque là. Ça peut. Ouais. On va faire ça. On va faire 7 et on verra ce qu'on fait après. Alors 7 cm. Hop. Voilà. Et ensuite, maintenant, pourquoi je la mets sur ce côté-là? Je vais mettre avec mes autres cartes. Je suis bête. Je suis bête. Ouais, ça va le faire, ça. Et par contre, en hauteur, combien? Faudrait que je divise en 3. Déjà, je vais la couper à 14 pour. Bah non, c'est pas pratique. 14. 12, c'est peut-être pas assez. 12, alors attendez, 12. 4 et. Ouais, allez, on va faire 13 et demi. On va voir. On va voir ce que ça donne. Pourquoi 13 et demi? Parce que je peux faire 3 fois 4. 4 et demi. 4 et demi, 4 et demi, 4 et demi. Je sais pas ce que vous. Ouais, ça pourrait le faire, 4 et demi. Avec les petits espaces. On va tester, on va voir si ça va, tant mieux. Si ça va pas, bah on continue. On
recommence. 1, hop, 4,5. Et 4,5. Ouais, ça devrait le faire. Alors, la carte est comme ça. Hop, hop. Oh oui, ça va le faire. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai l'impression que c'est pas droit. Alors, attendez, je vais me mettre bien droite. Ouais, bah si, je vais faire ça. 4,5, 4,5, 4,5. Et après, tout autour, je sais pas si vous voyez, il y a une toute petite, des tout petits traits de couture. Je vais faire ça au stylo. Ouais, allez, hop, c'est parti, je colle. Hop. J'aime bien un col blanche. Bon, par contre, celle-là, elle sent rien. C'est pas comme la... comme celle de chez Action que j'aime bien. Celle de chez Action, c'est ma drogue. L'odeur. Non, faut pas rigoler avec ça. Hein. Mais c'est vrai que dès que... je vous le dis à chaque fois. Hein, mais dès que je sens cette odeur de col de chez Action... c'est vraiment l'odeur de la créativité. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça déclenche en moi la créativité. La fille qui fait sa séance de psy avec vous. Oui, alors hop. Rassurez-vous, je n'ai pas de fièvre. Hein, tout va bien. Hein. C'est juste que je suis enrhumée. Voilà, c'est pas mal. Déjà, on en pense quoi? Hein? On en pense quoi derrière l'écran? Que ça ressort pas assez, que j'aurais dû ancrer les carrés? Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. C'est pas grave. Attendez, une petite pause. Voilà. Donc, bah voilà, bah on continue. Alors, eux, ils ont mis un bord. N'importe quoi, un fanion là un peu plus clair, donc je vais faire pareil, je vais mettre un petit fanion un peu plus clair. Ouais, je vais faire ça à peu près jusqu'à un peu plus de la moitié là, comme ça, et jusqu'au bord. Ok, bon bah je vais mesurer hein, je vais voir combien ça fait. Alors on va dire, on va prendre 10 cm sur 10 sur 2, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, on va prendre déjà juste 2 cm. Alors, je mesure du côté, de l'autre côté. Alors, pourquoi de l'autre côté? Parce que comme ça, là, je peux bien me plaquer droite. Et comme ça, bah, j'ai plus de chances de couper mon morceau bah, droit, du coup. Voilà, sur 10. Hop, petit bout. Voilà. Est-ce que c'est bien? Oh, c'est peut-être un peu trop. Ouais. Ça, non, sauf si ça, ça vient un peu plus bas. Ah oui, parce que là, ça vient, on le voit là, en dessous l'étoile, ça vient jusqu'à la limite du moutarde. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Ils sont où mes ciseaux? Ils sont rangés. Ouh là là. Ouh là là. Extraordinaire. Donc, on va faire la petite pointe inversée là. Ça, je vais venir le coller là. Non, comme ça, bah dis donc. Ouais, comme ça. Bah allez, hop, on colle. Si je me mettais dans le champ, ça serait un peu mieux, non?
Alors, j'ai sorti mes papiers, mais je crois que je vais pas les utiliser. Bravo. Bravo, Coco. Alors, par contre, faut bien aller dans les coins, parce que sinon, ça rebique. Et du coup, après, on a les mains toutes cracra. Hop, non, tout en bas, vous descendez jusqu'en bas et on va essayer de le mettre droit. Et ça déborde. Pas mal? C'est pas mal. Ici, je vais le coller tout de suite. J'ai des petites étoiles là-dedans. 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 Ah non, mais c'est chiant d'être enrhumé. J'avais rien et ça m'a pris d'un seul coup. Hop. Ah, elle est un peu petite. Oh, je vais éternuer. Bon. Ça, clairement, c'est trop petit. Hein, ça ne va pas. Je vais voir là-dedans s'il n'y aurait pas quelque chose. Et à la limite. Je vais mettre un truc qui ressemble, qui irait davantage dans le thème qu'une étoile. Vous voyez? Vous voyez ou vous voyez pas? Alors là, je vais reprendre mes jolis petits stickers et je vais voir ce que je peux mettre. Donc ça, je vais le décaler. Ça, je vais le mettre là. Faut que je range au fur et à mesure. Faut que j'apprenne. Faut que j'apprenne. Alors ça, j'adore. Donc peut-être qu'on va le mettre là. Ça, c'est plutôt sympa. Je teste. Ça, non. Ça, non. Ça, j'ai déjà mis dans une ACC. Ça peut être sympa. Il me faudrait, genre, je sais pas, un truc rond, une citrouille, un truc, même s'il faut que je redécoupe. Oh, j'adore ça. Oh, je vais peut-être. Ah, je sais pas. Ouais, je vais peut-être mettre ça plutôt. Et ben voilà, et là je vais découper. Ben voilà, je vais faire ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense là-bas derrière son écran? Ah, petit écureuil mignon aussi. Bon, je peux pas tout mettre, clairement. Oh, il y a le champignon aussi, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tout... Oh, la tarte! Oh, au secours! Non, la tarte. La tarte. Sans hésitation, la tarte. Ah, ça aussi, j'aime bien. Bref. Oui, bah là, au lieu de mettre une étoile, je vais mettre ça, le cideur, là. Ouais, c'est pas mal. Sauf que... Oh, j'ai pris ma carte dans le bon sens. Ah oui. Bon, allez, hop, on va coller ça. La fille qui sait plus ce qu'elle fait. Alors... Happy Fall. Ah bah on est dans l'automne, hein. Vous allez en manger de l'automne. Après vous mangerez que du Noël. Plein de choses comme ça. Après ça sera du printemps, du Pâques, tout ça. Comme d'hab, hein, tout le temps ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh, j'aime bien, j'aime trop les petits stickers comme ça. Alors c'est des stickers que j'ai eu chez Journal Sem. Voilà, hop. La tourte là, j'adore. Hop. Voilà, alors maintenant le cidre, on va je pense que je vais le coller. Voilà, et je vais venir découper ce qui dépasse. Voilà, je le mets juste comme ça et je vais venir découper le surplus. Forcément, ça colle. Ah, c'est pas pratique. Ah, c'est pas pratique pour moi comme ça. Est-ce qu'on est bon? Attendez, hop, ça, je vais le remettre là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va, c'est pas mal.
Et du coup, j'ai dit que j'allais faire des petites coutures. Attends, je vais prendre les crayons que j'avais pris chez... Ah, j'ai plus le blanc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah mince. Alors ça, c'est tout moi, ça. Serait-il dans le... Dans mon tiroir? Eh bien, bien sûr que non. Ça serait trop simple. Ah, l'anulasse. Attendez, j'en ai peut-être de chez Chine. Attendez, je reviens. Alors, j'en ai trouvé de dans la dans mon colis journal C. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, peut-être avant, je vais faire un petit test hein, sur un papier. Ah, si je faisais un peu de place, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bon, ceux-là, je vais les remettre dedans. Voilà, puisque pour le moment, je voulais du blanc. Et ben, le blanc, je ne l'ai pas rangé. Bien fait pour moi. Là, ceux-là, bon, on va les laisser devant. Voilà. Les stickers, là, on n'en a plus besoin pour le moment. On les dégage. Voilà. Hop. Et maintenant, on va tester ça. Ça, la paire de ciseaux, j'en ai plus besoin. Donc, il y a un gros bout. Ouais. Et un petit bout. Ah non, c'est le contraire. Ah, c'est broche. Oh, ok, donc je vais prendre ce côté-là. Et on va venir faire bah, les petits traits tout autour. Et voilà, bon, j'ai fait ma petite couture. C'est plutôt mignon, ça rajoute un petit plus, vraiment. Regardez juste avant la création sans couture et après couture, vous allez voir, ça fait quand même une bonne petite différence. Et bah, il manque quand même un sentiment, hein.
Je pense que je vais mettre un merci parce que j'ai retrouvé ça là, les petits merci. Mais le problème, c'est que des fois, pour les pour les enlever, c'est un petit peu relou. Hein, vous voyez, vous connaissez ma patience pour les machins comme ça. Alors, est-ce que je peux avec ça? En plus, il est plein de colle, mon truc. Non, mais. Hop. Ah oui, j'ai dû vouloir. J'allais dire, percer un truc de colle. Parce que des fois, ça se déforme. Donc, quand on les enlève, quand c'est trop fin comme ça, parfois, ça se décolle. Alors. Ça se décolle, oui, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire, oui, forcément que ça se décolle, mais des fois ça se déforme. Alors, l'idéal ça aurait été de le mettre comme ça, mais comme ma carte elle est en portrait, pas en paysage, donc je vais le mettre comme ça, mais droit ça serait mieux, ma cocotte, hein. Mais ça me saoule. Voilà, un peu décalé, un petit merci timide. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je l'ai mis volontairement décalé. Enfin voilà, je voulais pas le mettre là, basiquement. Enfin voilà, je trouve que c'est mignon, ça fait automne, ça respecte bien le modèle. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je suis toujours mal cadrée. C'est ma spécialité. Voilà. Allez, à très très vite. N'hésitez pas à la refaire. N'hésitez pas à aller voir ce que mamie et ce que Caro, ça les a inspirés. Les idées, hein, voilà. Et n'hésitez pas à la refaire. Ça sera avec un grand plaisir de voir vos créations. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!